Avec la création des GHT, il a été mis en place des filières médicales de prise en charge. Il nous a semblé intéressant pour la filière neurovasculaire de développer ces coopérations. Ainsi, nous avons pris contact avec nos collègues des hôpitaux de proximité disposant d'un service de médecine et développé des partenariats entre l'unité neurovasculaire du CHU d'Angers et ses services de proximité. L'idée étant qu'en fait, les patients puissent être pris en charge à la phase aiguë de leur AVC par l'unité neurovasculaire du CHU, puis transférés secondairement vers un établissement de proximité proche de leur domicile. Il s'agit vraiment d'une délégation de tâches et de prise en soins commune entre l'unité neurovasculaire et ses services de soins de proximité. Cette filière répond du coup à des enjeux d'inégalité territoriale et assure aussi une meilleure prise en charge des soins à la fois en aigu mais aussi sur le long terme à proximité de leur domicile. Les protocoles de prise en soins sont communs entre l'unité neurovasculaire et ses services de proximité et la même qualité des soins est prodiguée entre chaque établissement. Cela permet du coup d'avoir une équité d'accès aux soins. Il existe une vraie complémentarité entre les équipes de l'UNV et des services de proximité. Cela valorise beaucoup les professionnels des deux types d'établissements et puis bien sûr le développement des compétences. Nous sommes tout à fait satisfaits de ces prises en charge et les premiers retours des intéressés, à savoir des familles et des patients, sont tout à fait positifs. Alors, je dirais que pour la mise en place du projet, ça n'a pas été trop difficile de convaincre ni les équipes médicales, paramédicales ou les directions. En revanche, ça a nécessité quelques prérequis. Il était important de s'enquérir des besoins en formation des établissements, mais aussi des moyens humains et techniques qu'ils pouvaient avoir à disposition, puisqu'on ne savait pas forcément si ces établissements étaient à même de pouvoir accueillir des patients AVC, parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et il y a eu une vraie difficulté pour organiser, excusez-moi, ces sessions de formation. Parce que c'est vrai qu'il faut libérer du temps pour les formateurs, mais il faut aussi libérer les apprenants. Donc, ça a été pas toujours simple de trouver des dates et d'organiser ces sessions de formation. Il y a quand même plus de 150 professionnels qui ont été formés en vue de ce projet. Il est aussi impératif d'avoir des référents, que ce soit des référents médicaux ou paramédicaux, pour mettre en place une telle filière. Et là encore, on a des équipes, que ce soit des équipes médicales ou paramédicales, qui tournent beaucoup. Ça n'a pas toujours été très simple. Et puis, la plus grosse difficulté, et ce n'est pas encore réglé aujourd'hui, je trouve, c'est l'accès au système d'information, puisque nos systèmes informatiques sont différents entre chaque établissement. Et du coup, les transmissions entre professionnels, que ce soit des transmissions d'informations médicales, de résultats d'examens complémentaires, ou bien sûr la transmission entre professionnels de la rééducation, par exemple, sont encore difficiles à avoir d'un établissement à l'autre. Donc, on espère avoir rapidement une uniformisation des systèmes d'information au sein du GHT pour améliorer tout cela. Alors, je pense que notre expérience est tout à fait transposable à d'autres UNV et à d'autres GHT. Il est clair que nous recevons beaucoup de patients dans nos UNV. Malgré tout, il n'y a en France que 60% des patients qui présentent un AVC qui ont accès à l'UNV, d'où la nécessité d'améliorer notre turnover et de fluidifier, excusez-moi, notre filière d'aval. Et l'accès aux soins de suite, bien sûr, est un prérequis pour ça, mais je pense qu'il y a une vraie place pour les établissements de proximité. Après, ça nécessite au préalable de bien définir les objectifs de cette filière. Quelle est la population cible? Il faut bien sûr obtenir l'accord des établissements pour développer de tels partenariats. Et puis, avant de démarrer, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, bien recenser les moyens humains et techniques sur chaque centre pour ne pas les mettre en difficulté. Bien évaluer les besoins en formation de toutes ces équipes pour pouvoir y répondre au mieux. Et puis, il est important de mettre en place des procédures communes de prise en charge. La prise en charge qu'on débute sur l'UNV, elle doit être prolongée sur l'établissement de proximité, mais elle doit être tout à fait uniformisée, quel que soit l'établissement. Le rôle de l'UNV, c'est aussi de transmettre d'éventuelles recommandations si les choses changent.
Et puis, il est important aussi d'animer cette filière, hein, de former les nouveaux arrivants, d'aider aussi les établissements à grandir. Il y a peut-être d'autres projets à développer. Et enfin, il est bien sûr indispensable d'évaluer la filière. Donc, il y a une évaluation par les professionnels, mais il y a aussi une évaluation par les usagers qui me paraît indispensable.